Bonsoir, il est 5h38 du matin et je vais rejoindre Carlito, Big Flo Oli et Audrey Pirot qui sont à La Rochelle déjà car aujourd'hui on fait Fort Boyard. Ouh, allez, c'est parti. Ah, me voilà devant la gare Montparnasse. Ah oh là là, c'est fou, ça fait des années qu'on rêve de ça. Rappelez-vous, dans un épisode du meilleur jeu en voiture avec Baptiste Le Caplan, on avait essayé d'appeler Olivier Mine, extrait. T'as le numéro d'Olivier Mine? Ah oui. Je veux qu'on l'appelle et qu'on lui dise qu'on veut faire Fort Boyard. Merci d'avoir appelé. Message. Et aujourd'hui on va enfin pouvoir la faire, et en plus on la fait pas juste tous les deux, on la fait avec Big Flo Oli et Audrey Pirot, et Camille Cerf aussi je crois, une ancienne Miss France, je ne suis pas sûr de ça car je ne lis pas bien les mails. J'espère quand même qu'ils vont pas me faire attraper des araignées aujourd'hui, parce que je vous le dis, j'ai une énorme phobie des araignées, je suis donc arachnophobe, mais je ne l'ai dit à personne car j'ai eu peur que les potes le disent pour avoir une belle séquence à l'image. Bref, je vais réviser les maths ce matin dans le train, oui. Me voilà à La Rochelle, je vois le van rempli de mes amis. Tini di doudou, Tini di qui se la prend, qui se la prend. Aïe. Et vous voulez savoir quoi? On peut pas partir tout de suite, il y a de la houle, on doit retourner à l'hôtel. C'est le vlog à La Rochelle, la 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 la. C'est le vlog à La Rochelle, la 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 la. Coucou Camille, enchanté de faire ta connaissance. Connaissance. Voici mon petit déjeuner. Bah en vrai, mais ça se mange. Je viens de capter un truc fou. Si vous mangez des fruits avec des peaux, commentez. Alors, dans l'ordre, vous mettez « Je réponds au sondage ». C'est l'entête. En majuscule, évidemment. Premier tiré, le nom du fruit. Avec une faute d'orthographe. D'accord. Deuxième tiré, oui ou non, pour dire oui ou non avec la peau. Mais vous mettez l'inverse de la vérité. D'accord. Okay. Et troisième, une capitale dans le top 10 des capitales mondiales. Vous pouvez regarder sur Wikipédia. Allez, on veut du commentaire à foison. Là, regarde bien. Regardez la marche. Oh là là. Cet homme ne marchait pas du tout hier. Cet homme était complètement immobilisé. La jambe était comme paralysée, inflexible. Ouais, ouais, ouais. Ça allait déjà beaucoup mieux hier. Ça fait plaisir pour toi, frère. Mais t'as vu comment il marche? C'est ça le plaisir, ouais. C'est plaisir, c'est ça, regarde. J'aimerais mettre un extrait de Muriel Robin en rendez-vous en terre inconnue là maintenant. J'arrive, chérie, j'arrive. Je finis de me préparer. Oh, il est fort, il est fort. Lorsque vous êtes dans un hôtel, 40% du prix de la chambre. J'ai un petit jeu. Est-ce que vous grâce... Mais je suis en train de faire un sketch qui a pleuré de rire. Un sketch. S'il vous plaît, les gars. Gâteau pour tes enfants? Bah, évidemment. Mange une huître. Pour faire le matin. Oh. Donc, ils font les malins pour l'instant, mais on est bloqué à cause de la houle, ce qui est un peu angoissant, car Fort Boyard, c'est notre rêve. À toi aussi, c'est ton rêve, au lieu de faire. Rêve d'enfant. Comment nourrir un McFly? Vous prenez un peu de pancake, un peu de gaufre, hop, bout de gâteau à la pomme, vous mettez un peu de saumon gravlax. On va pas se laisser faire par la houle, par Laurent, de la houle. Yes. On va aller en ville. Vous allez mettre le programme ici, là, le monteur, ok? Premier truc à faire, donner à manger au moins sur le port. Voyons. Oh. Deuxième truc à faire, manger une crêpe à La Rochelle. Fuck. Troisième truc à faire, monter sur la tour. C'est bon. Quelle tour? Ah, ça, c'est la surprise. Ok, on ne sait pas s'il y a une tour. Et le quatrième, réaliser un court-métrage de 47 secondes sur l'histoire d'un marin qui s'en va à la mer avec sa femme et tout ça. 3, 2, 1, c'est bon. Ok. Et ça, c'est une vidéo, mon gars. Vlogging. Vlogging. Est-ce que tu peux nous présenter Roro pour commencer pour les gens qui connaissent? Alors pas. Romain qui est notre garde du corps, road manager, assistant, bras droit, bras armé aussi. Ceux qui voudraient peut-être voilà, s'attaquer à nous, si je peux le comprendre, il faudra d'abord passer par lui. Et sachant évidemment qu'il n'y a pas que lui. Vous savez qu'un chauve, quand il vient juste de se raser, c'est exactement la texture d'un dauphin. Un dauphin chauve. Tu vois? Un beluga précisément. Oui. Wow. Le jeu s'appelle Faire rire Roro. Que dit un putois? Hey, tu pues toi. Ça fait quoi un poussin de 300 kilos? Piou piou. Oh là là. Regarde-moi. Mais non. C'était la fin de Faire rire Roro. Bravo à tous. Bravo. C'est
Ça a un peu pété cette nuit, donc il y a mais non. Plus de branches. Donc, la prod nous a informé. En fait, il y a eu des dégâts sur le fort, donc il y a une équipe de techniciens qui s'y rend en bateau pour vérifier les dégâts. Est-ce que c'est déjà arrivé? Bonne question. Du coup, bah, on va se balader. On va se balader à La Rochelle, on va aller sur le port. Un vlog à toute berzingue. Tout simplement. Les amis, aujourd'hui, je me sens d'une âme charitable et on est dans les rues de La Rochelle. On dirait que Axolot, quand il fait des petits trucs insolites. Mais le plus surprenant, c'est la salle qui a été créée pour accueillir sa dépouille. Truc insolite, je vais faire des câlins gratuits et on va mettre une compilation de câlins gratuits. C'est parti. Monsieur, je peux vous faire un câlin gratuit ou pas? Vous prenez ou pas? Non, non, non. Ok, c'est pas validé. Ça fait mal parce que je vais vous dire, dans nos vies d'artistes, on est plus habitués à avoir des refus comme ça. Je fais des câlins gratuits aujourd'hui. Oui, allez. Ah. Câlin gratuit en vélo. Bravo. Les gars, je vous fais un câlin gratuit. Oh, allez, j'accepte. Oui. J'accepte. Oh, t'as moyen de faire du score là. Il fait du score, il fait du score. Il a fait du score. Merci beaucoup. Putain. Merci. Est-ce que ça peut devenir un duel entre lui et moi, celui qui fait le plus de câlins? Oui. Comment on comptabilise les points? Juste le nombre d'humains? C'est le nombre d'humains, s'il y a un sourire, c'est plus un point. Et s'il répond à notre je t'aime, plus deux points. Ok, Cali. Eh hey, mec, oh. regarde-moi, je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Oui, oh putain, il a fait. C'est vous qui faites le bordel là pour les séances? Oh oui, un câlin pour m'excuser. Mais je vous connais, vous. Un câlin gratuit. Mais je vous connais. Oh là là, il a eu, c'est parti. Je suis avec ma cliente là quand même. Je m'appelle Oli. Mais c'est Big Flo et Oli. Je fais un gros bisou. Ma fille, elle vous adore. Merci, gros bisous à tout le monde. Personne très âgée, plus deux points. Et étranger, genre anglais, etc. en visite, c'est deux points également. On est parti. En plus du jeu des câlins, on fait clean walk sur la route et dès qu'on voit des choses dégueulasses par terre, on remet à la poubelle. Les amis, j'ai une proposition. Il fait pas beau, il fait froid, il pleut, j'invite tout le monde à l'aquarium. Ça part en brocante. J'ai un cadeau pour toi. C'est une canne, mais elle a une particularité. Bon cadeau. Oh, oh my god, je la prends de suite. C'est acheté. Merci mon frère. Voilà. Ça fait plaisir cette canne avec un couteau. On doit tous les quatre se faire un cadeau à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'avoir la prod au téléphone? Ouais, ils viennent vous chercher. On va au fort! Les amis, juste avant de faire Fort Boyard, on se fait un petit resto, mais d'abord on doit trouver le cri de guerre. Est-ce qu'il y a des idées? Il y a du contenu, des créatifs. Ah, j'en ai un! Cri de guerre pour l'émission Fort Boyard. Ça, c'est drôle, ça. Ouais. Ça, j'aime bien. 1, 2, 3. Cri de guerre pour l'émission Fort Boyard! On est au QG en fait de la prod et Benjamin va nous briefer. On n'a pas le droit de filmer tout le brief car il y a des secrets. Oui. Mais on va essayer de vous filmer le début du brief où il nous dit comment toucher les animaux. C'est pas du tout envie. Et les animaux, c'est pas des petits chiens-chiens. Non, non, c'est des migales. Oh, la meilleure chose! Ils savent comment m'accueillir! Le but du jeu de Fort Boyard, c'est quoi? Gagner! Des voyards. Voilà, fin du brief. Merci beaucoup. Pour cela, il faut 9 clés et il faut trouver le mot code qui libère les boyards. Quand vous faites une épreuve, vous n'êtes pas tout seul. Et le reste de l'équipe voit ce qui se passe avec les moniteurs. Et très souvent, vous voyez mieux l'action que le candidat lui-même, d'accord? Ah, communication. Pour dire à votre copain de sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Sors! Et putain, je tape sur la porte parce qu'il n'entend pas. Voilà, allez, on va parler des animaux. Il a un animal, les gars. Il a un animal. Il va sortir une tarentule. What the fuck? Il sort une tarentule. Oh putain de merde. C'est vraiment épeurant. J'ai failli. Vous allez. Il faut comprendre qu'ici à Fort Boyard, vous ne risquez rien. Je vous demande d'être super délicat avec les animaux. Vous avez une araignée. Il y a deux solutions. Soit vous l'attrapez ici, vous la retournez, vous prenez. Ou si vous ne voulez pas tout toucher, vous l'attrapez ici. Pas ici, c'est son petit abdomen. On se rappelle que c'est un être vivant, quoi qu'il arrive. Ici, on lui donne beaucoup d'amour. On retire. Le brief est terminé, c'est parti, nous nous rendons au bateau qui nous ramène au fort. Dédé, la famille. Dédé ! Le nombre de vues que ça a fait. Donc ça a vu presque 10 millions Dédé. C'est incroyable. On est très content que vous soyez là. Un homme face à la mer. Tu me mets pas assez dans le vlog, je veux 5 secondes de moi dans vos vidéos, de toutes les vidéos qu'on a fait, juste 5 secondes, un petit best-of comme ça. Vrai ou faux? On était sur une île déserte. Je me suis fait opérer du pénis, mais le jour où il est mort, j'ai pleuré. Un verre d'eau. Vous aviez dit pas d'absurde, les gars. Ça fait du bien. Allez, rentrage sur le bateau. Les gars, comment vous vous sentez, la team? On lui a grave le mal de mer depuis toujours. Tu te sens comme où, mon pote?
Pour l'instant, bien. Pareil qu'il faut chanter. Nam nam de do 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 do. Dam dam de do. Oh. Dam dam de oh. Pour aller sur le fort, on va devoir monter sur un panier qui nous amène en fait à la porte de Fort Boyard. Ça va, Oli? C'est toi. YouTube, c'est bon, c'est fini de couper. Ah d'accord. Je suis pas bien les gars, regardez mes yeux, ça brille. Oh c'est le Fort Boyard, c'est le Fort Boyard, c'est le Fort Boyard, c'est le Fort Boyard, c'est le Fort Boyard. Ça va, oh mathématiquement. Voilà, oh frère. Je sais pas si vous ressentez ça dans la vidéo, c'est très dur, ça tangue beaucoup. Oh, oh putain! Oh la vache! Écoutez, oui. Ça doit faire 15 ans qu'ils sont là, leur visage, ils sentent que c'est pas normal. Il y a des regards qu'il faut comme ça, genre. Ils sont en mode, on leur dit ça va, ils font ouais, bien sûr. Et vous, vous serez dedans, dans le panier. Okay. Et vous autour, et quand je vous le dirai, vous accrocherez. Les frères, c'est un truc de ouf! C'est mal, le panier est sur les côtés. Je reste dehors. Là, et tu t'accrocheras quand je vais. Et je m'accroche pas maintenant là? Non, t'accroches pas dans les corps. Le milieu, tout de suite. Ok. C'est incroyable les frères. Palier. Oh mais ça commence à se relever. Ça monte. Les gars, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le vertige de ouf les gars. Que le bateau est là. On est monté sur le truc. J'ai pris la peur de ma vie. Mec, je tremble de ouf là. C'était la première épreuve. En fait la mer est tellement déchaînée que c'est très dur de contrôler tout. Le panier, le bateau. Oh, oh là 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 là. Regardez ça, quelle folie. Oh. C'est incroyable. On y est putain, après c'est toutes ces années. J'ai tellement vu. Oh là là. Je vous jure, je suis comme un gosse. Il y a un autre monde gros. Je vais regarder chez mon pote Ben, je voudrais une photo de mon pote Ben. J'ai déjà oublié comment ça s'appelait. Pas en courant. Regardez, c'est la petite loge. La petite loge du fort, vous ne l'avez jamais vue celle-là? Oh, et c'est vrai que mec, on a des coulisses, frère. Et est-ce que vous avez vu ces pommes? McFly, on est au fort. Que vous avez... Non. On est dans la salle d'avant-fort, là on va aller faire les épreuves. Là, avant j'ai flippé, déjà le bateau, les vagues, frère. Le panier pour venir, j'ai peur. Mais les épreuves, ça m'excite. Vous verrez ça à la télé. Carlito, Carlito, c'est fou! T'es mal le sel et le poivre du fort! C'est le poivre du fort, les gars! C'est pas fou! C'est bon, c'est bon. C'est pas fou! Tout ce qui est dans le fort est pas du fort, ça a été ramené ici. Ah ouais, c'est le roquefort du fort! Le roquefort du fort! Check-moi. Merci, fan de McFly.com. Non, mais ça marche bien, c'est un jeu de mots. Mais y'a pas de roquefort. Ok, les amis, ça y est, on va devoir éteindre cette caméra pour respecter finalement l'intimité du fort que vous êtes chaud. Je suis plus que chaud, y a aussi beaucoup d'émotions. Les gars, on va le faire enfin, on fait Fort Boyard, on gagne le maximum, on nique tout. On gagne tout et on donne tout au Secours Populaire, on s'éclate, on prend un pied de ouf. Toujours plus haut, toujours plus fort. Souscrivez à Anna. C'est pas mal. Non, je pense qu'il y aura d'autres trucs à faire. Oh, c'est trop stylé, putain. J'hallucine là, putain. Ok les gars, pause déjeuner, enfin pause dîner car il est 21h30, hein, voilà. On a assuré les gars, on a assuré ou pas? Bravo les gars, allez, bravo. Allez, possible, là, on voilà, est... voilà, voilà. Je vous explique, on est mort. Il nous reste 6 heures d'émission. En fait, quand vous regardez l'émission, vous vous dites, oh non, mais c'est de la télé et tout. Non! C'est une aventure où tu es coincé au milieu de l'océan et pour t'en sortir, il faut faire des épreuves difficiles. Voilà la vérité. J'ai hâte que vous voyez cette émission. Putain, franchement, on est digne. Ah oui, de ouf. Ouais, moi je suis vachement digne. Oh, il y a la meilleure séquence, les gars. La séquence, les gars. Oh là, on a pleuré de rire. J'avais les mains collées avec une boule au milieu, quoi. On pourra peut-être avoir un petit extrait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant ri. Et pourtant, on rit souvent. C'est incroyable. On est plus dans le jeu. Pour donner un mot. Eh bien, vous savez, la vie, ça passe parfois comme un éclair. Et... Retrouvez la suite de ma phrase sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne, putain. 4h du matin, c'est une fin de tournage. 4 heures. On va pas évidemment tout vous spoiler. On va boire cette petite coupe de champagne et on reprend le vlog. Ok les amis, regardez-le, regardez ça. On l'a fait, mais alors c'est incroyable. J'ai hâte que vous voyez l'émission parce que ça va être complètement barge cette émission. On peut logiquement rien vous spoiler, on a le droit de rien dire et c'est normal. Mais c'était génialissime, vraiment fou. On a dépassé nos limites, on peut dire. Totalement, absolument. On vous met la date de l'émission qui s'affiche maintenant. Ouais, c'est vrai, ça se tient. Et du coup, vous allez sur France 2 ce jour à 7h-ci et vous allez voir ça avec Big Flo, Audrey Pirot, Camille Serf, c'était parfait. C'était incroyable. Olivier Mine, cordialement. Bon, ce surtout, mec, il est incroyable. Il dit bien les choses. Olivier Mine. Olivier est Mine est parfait. C'est l'homme parfait. Donc j'ai envie de dire souscrivez à l'abonnement.
Lolito, bonsoir. Grave le vertige, frère, vas-y. Oh, elle est belle celle-là, elle est belle cette image. Wow. Au revoir le feu. Trop d'émotion, trop d'émotion. Est-ce que c'est pas le meilleur départ de partir en panier? À partir d'aujourd'hui, je ne pars plus qu'en panier dans ma vie. Félindra, enchanté. Regardez comment on part du fort. Ah. Les amis, c'est ainsi que se finit le tournage de Fort Boyard. On ira tous à Fort Boyard. Regardez ça, regardez ça. En panier.